Alors, bonjour à tout le monde. On le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières, l'assemblée du 9 mai, 9 décembre. Décembre, la dernière de l'année, non, l'avant-dernière de l'année parce qu'on a une assemblée spéciale en plus. Bienvenue à tous. Il y a le procès verbal, il n'y a pas rien à rajouter. Fait qu'on va y aller avec l'ordre du jour ordinaire. Oui. Monsieur Hamelin propose. Tout le monde est d'accord avec ça. Sans ajout. On va enlever ça. Étant donné que tout le monde a reçu les copies et tout ça, il y a le procès l'ordre du jour. Après ça, il y a le procès verbal du 11 novembre 2019. Comme vous devez en avoir pris lecture, est-ce qu'il y a un proposeur pour Monsieur Tourangeau? Tout le monde est d'accord avec ça. Il y a aussi le procès verbal du 21 novembre, l'assemblée extraordinaire qu'on avait eue. Est-ce que tu as un proposeur, M. Tourant, M. Hamelin? Tout le monde est d'accord avec ça? Mot du maire, ben, il y a eu bien des petites affaires, mais la MRC, il y a eu deux, trois assemblées. Puis on a eu une au pavillon d'Arvaux. Après l'assemblée, on a eu une assemblée spéciale parce que le traiteur voulait augmenter. Il y a deux, là on sert deux fois, puis là il voudrait le faire en une, sinon bien, ça augmenterait, puis le monde ne voulait pas les payeurs de. Fait que ça a resté comme cela pour le moment, en tout cas. Je ne sais pas. Fait que ça a été c'est assez houleux pour une petite assemblée, là. Ouais, en tout cas. Fait que c'était, en gros, c'était ça. Oui, c'est ça, oui. Après ça. La liste des comptes, bien, c'était 817 988 $11, divisé en 3. Les salaires, 89 000. Comptes à payer, 67 893. Journaux des déboursés, 661 049. Fait que ça prendrait une proposition pour ça. Monsieur Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 novembre 2019. Ça, c'est pour une lecture de chevet, comme je dis tout le temps. On n'a pas besoin de proposeur et tout ça, fait que c'est beau. On est rendu à l'item suivant. Avis de motion, règlement d'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2020 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. C'est un avis de motion. Qui c'est qui donne ça, là, Mme Christina? Tout le monde est d'accord avec ça? Adoption du règlement 329-00-2019 concernant un emprunt pour le financement de la subvention de 976 175 pour le fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE, c'est ça. Il est proposé que le conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 329 pour un emprunt de financement d'une subvention de. Parce que là, on emprunte, le gouvernement ne paye pas cash en passant, là, fait qu'on emprunte pour, c'est ça, hein, on emprunte puis nous paye par après sur 10 ans, je pense, mais avec les intérêts. Fait que ça prendrait un proposeur pour ça. C'est Sylvain, c'est nous, tout le monde est d'accord avec ça. Pasteur, le gouvernement, ça c'est le provincial, le fédéral, il paye cash. Puis le règlement, après ça, concernant un emprunt pour financement d'une 900 pour fonds d'eau, voilà. On vient de le faire, c'est ça. J'ai pas refaire, mais. C'est parce qu'il y a un bon bout qui a c'est là. Bon. Adaptation du règlement 219 modifiant le règlement uniformisé de numéro 2 RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Qui c'est qui propose ça? Que le conseil modifie le règlement sur. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ça? Monsieur Stéphane Savard, le règlement est assez long, je ne le lirai pas tout, là, c'est beau, tout le monde est d'accord avec ça?
Adoption du règlement 258-08-2019 concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cet item-là? M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? C'est ça, regardez, c'est un paquet de feuilles, le règlement, ça. Je ne le lirai pas tout, parce qu'on ne ressortira pas à soi. L'item suivant, adoption du règlement numéro 312-27-2019, modifiant le règlement de zonage du numéro 312-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 312-27-19, modifiant le règlement zonage visant à assurer la concordance avec le règlement 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Ça prendrait un proposeur ou un ou l'autre. Monsieur Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? On va dire Monsieur Vann. Adoption du règlement 2 du règlement numéro 312-28-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d'agrandir la zone IB3 à même la zone IB1. I1. Que le Conseil adopte le projet de règlement 312-28-19, modifiant le règlement de zonage 312-00-12 afin d'agrandir la zone IB3 à même la zone 1. Ça prendra un proposeur. Monsieur Hamelin. Adoption du règlement numéro 308-15-2019, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-0-2012. Règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Il est proposé que le Conseil adopte ce règlement 308-15-2019, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-0-0-2012. Visant à assurer la concordance avec le règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf. Qui c'est qui propose cela? M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? En tout cas, on saute à l'heure, on dirait. Oh, 337. Adoption du règlement numéro 311-02-2019, modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement 311-02-2018, modifiant le règlement de lotissement et visant à assurer la concordance avec le règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement et développement de Portneuf, de la MRC de Portneuf. Proposeur, M. Sylvain Hinault, tout le monde est d'accord avec ça? Adoption du règlement 312-29-2019, modifiant le règlement de zonage
numéro 312-00-2012, c'est-à-dire visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement 312 modifiant le zonage et visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Un proposeur, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Utilisation du fonds affecté à l'auto-assurance pour couvrir la dépense. Considérant qu'un fonds a été affecté à l'auto-assurance il y a plusieurs années au montant de 5 138,45, ça c'est un montant qui reste dans ce compte-là, une assurance des syndiqués, c'est ça, qui a été convenu entre l'employeur et le syndicat de départir cette somme entre les employés et cadres ayant contribué à cette assurance salaire de courte durée. Il est proposé que le Conseil autorise que le fonds affecté à l'assurance de 5 138,45 soit utilisé pour couvrir la dépense. Que le Conseil entérine la répartition faite entre les employés et les cadres. C'est eux qui l'avaient payé. Fait que ça prendrait un proposeur, Mme Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? Politique de santé et sécurité au travail que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, considérant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs comme responsable. C'est la bonne, ça? Oui. Mm-hmm. Le travailleur comme une responsabilité sociale et une préoccupation majeure. Il est proposé par que le conseil municipal adopte une politique de santé et sécurité de travail 6 juin, que le conseil autorise le maire et la directrice générale pour signer pour et au nom de la ville de Saint-Marc-des-Carrières la politique de santé et de sécurité au travail. Ça prendrait une proposition, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Déneigement des trottoirs. Considérant que la ville désire assurer le service à la population pour le déneigement des trottoirs afin de mettre en règle avec l'assureur qu'une entente avec le syndicat pour un projet pilote à l'hiver 2020 a été entendue entre les deux parties, que le prix a été demandé des entrepreneurs selon le besoin. Il est proposé que le Conseil signe l'entente pilote pour le déneigement des trottoirs pour les fêtes 2019 et l'hiver 2020 avec le syndicat. Que le Conseil mandate les entreprises Jacques-Julien pour effectuer le déneigement selon l'entente. Fait que ça prendrait une proposition, M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ce règlement-là? Ah oui, c'est très, très beau, de réflexion. Travaux de réfection du centre communautaire et culturel, ajout d'une enseigne. Pour que finaliser les travaux de réfection centre communautaire, des soumissions ont été demandées. Ajouter une enseigne sur le bâtiment. C'est bien marqué. Que le conseil octroie le mandat, ça c'est la compagnie, pose image au montant de 3 490, taxes en surplus, pour l'ajout de l'enseigne. Mais dans la résolution ici, ils ont bien marqué pour les travaux de réfection centre communautaire de soumission de demander une enseigne sur le bâtiment. Puis apparemment qu'il va en avoir deux, une grande puis une petite. Puis je vais, si le règlement reste comme ça, je vais mettre mon droit de veto parce que cette enseigne-là, la deuxième, il y en a déjà une en dedans. Puis c'est une salle, ça. La salle en dedans, c'est assez. Puis fait que, en tout cas, moi, je vous le dis tel comme ça, je l'avais dit même à Élise. Fait que c'est votre décision. Si vous acceptez qu'il n'y ait pas de deuxième annonce dehors, je pense qu'une, c'est le centre communautaire et culturel. En dedans, il y en a déjà une.
puis qu'il y ait une soumission, que le gars baisse sa soumission. Sinon, j'enregistre ma décision. Ben, de mon droit de veto. C'est ça. C'est bien marqué une enseigne. Pour la même job? Elle était plus chère. Mais de combien, c'était-tu? Plusieurs centaines de dollars. Là, il a revisé son prix à la baisse. Je pense qu'il a rebaissé encore, pose image, il a rebaissé encore de quelques centaines de dollars. Dans le fond, l'enseigne, là, il vient de comme je vous dis, là, il était à 3490, là, il me semble qu'il est à pas loin de 2000, il se rapproche du 3000, mais on vient de gagner. Dans le fond, l'enseigne, vous vous souvenez sur le modèle qui vous avait été envoyé à gauche, quand on est face au bâtiment à gauche, ça va être marqué « Centre communautaire et culturel ». Puis à côté de la porte d'entrée, avait été proposé de mettre le logo à côté de la porte d'entrée de la salle Claudia et Bachère. Ce que M. Denis mentionne, c'est qu'il est pour le côté gauche pour afficher « Centre communautaire et culturel ». Mais que la partie à droite affichée à l'extérieur, la salle Claudia-Bachère, il est contre. Il y a déjà un annonce en dedans. Je vous propose qu'on reporte ce sujet-là, puis qu'on puisse en discuter ensemble. On peut le reporter. Mais je ne changerai pas de décision, on va le dire tout de suite, monsieur. Non, mais je tiens à vous le dire. Parfait, on a tout à fait bien compris. Ouais. Vous avez compris que ça peut être à propos, parce que les montants ne sont pas exactement non plus conformes. OK, c'est beau. Alors, c'est à ce moment-là, moi, je... D'accord avec vous. Fait que reporté. Facture description technique pour la nouvelle rue, le développement résidentiel, Champagne et Mat, Arpenteur, Géomètre. La nécessité d'obtenir une description technique pour l'avancement du projet de la nouvelle rue. Que la demande soit faite auprès de Champagne et Mat, Arpenteur, Géomètre. Que le conseil autorise le paiement au montant de 750$ plus les taxes pour la nouvelle pour les travaux. Qui c'est qui propose ça? Pour, M. Sylvaino. Facture contrôle qualitatif pour des matériaux pour la réfection des rues et de la station sud et de l'avenue Narcisse, laboratoire d'expertise de Québec limité. Alors, que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 21 038,55 taxes et en surplus pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection de la rue de la station, la rue Narcisse au laboratoire, que le montant soit pris à même le poste budgétaire. Ça me prendra une proposition. Monsieur Trottier. Facture de surveillance des travaux de la réfection des rues de la station sud et de l'avenue Narcisse, WSP Canada. La municipalité autorise le paiement 3 505,25 taxes en surplus de la surveillance des travaux. Ça prendra Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Facture opération cadastrale pour la réfection des rues de la station, de la station sud et de l'avenue Narcisse, Champagne et Mat, Arpenteur, Géomètre. Que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 1042 plus taxes pour l'opération cadastrale de la réfection de la rue de la station sud et de l'avenue Narcisse, Champagne et Mat. Qui c'est qui propose cette facture? Monsieur Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Facture suivie des travaux pour la rénovation des façades du Centre communautaire et culturel Daniel Bédard, architecte, que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 2 750 plus les taxes à Daniel Bédard, architecte, pour le suivi des travaux et rénovation de façades du Centre communautaire et culturel. Une proposition. Monsieur Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture pour études, c'est ça, ça m'a la salle d'essai. Ah, c'est en vermis, je l'ai posé, je suis venu sur le début.
Facture réfection des façades du centre communautaire et culturel demandées. Demande de paiement 3 et 4 pour construction envergure incorporée. C'est la grande, ben, toutes les réparations qui ont été faites au centre communautaire. Pour le conseil autorise le paiement 3 et 4 au montant de 31 168 et 14 plus les taxes. Ça prendra une proposition pour cette... Monsieur No, tout le monde est d'accord avec ça. Études sommaires en alimentation d'eau potable et désinfection, secteur Saint-Albin par Stantex, que le conseil a demandé à Stantex pour une étude sommaire en alimentation des eaux potables. Que le conseil autorise le paiement de la facture 144-449-27 au montant de 1 250 $ plus les taxes à Stantec pour une étude sommaire pour les eaux usées, les eaux potables, c'est-à-dire. Ça me prendra un petit bout important. Ah, selon l'entente prise par la municipalité de Saint-Alban, cette dernière paie les deux tiers de la facture de 1 250 $, soit un montant de 833 $. Ça fait que ça prendra un proposeur, M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture des travaux électriques de Soccer et les entreprises électro-blais limitées. Que le conseil autorise le paiement au montant de 21 000 $ plus taxes aux entreprises électro-blais pour les travaux électriques au terrain de Soccer. Ça, c'est, on a une subvention en passant pour le bénéfice des... On a une subvention de 20 000, puis on en paye 40 environ. Ça fait que c'est pas vraiment une proposition. M. Trottier. C'est tout? Oui. J'aurais quelque chose à rajouter avant de lever l'Assemblée. En cette fin d'année 2019, je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année. Que nous apporte la santé et tout ce que vous désirez. J'ai eu une demande pour les centenaires. Vous savez qu'on a 7 centenaires dans le bout, puis ils voulaient qu'on les annonce. Fait que je vais vous le faire. Dans Madame Briante Lefebvre-Martin, qui est au centre CH Saint-Marc, 103 ans. Madame Gilberteneau Sauvageau, demeurant dans sa résidence encore, 100 ans. Gilberteneau Sauvageau. Madame Henriette Nopetit, 100 ans, est au CH Saint-Marc. Madame Henriette Denis, 100 ans, native de Saint-Hubert, CH Saint-Marc. Madame Marie-Rose Perron-Dubois, 100 ans, du CH Saint-Marc, mais native de Saint-Gazmire. Madame Eliane Perron-Sauvageau, 105 ans, demeurant au Miroir et native de Saint-Alban. Madame Jeannette Groslot-Carreau, 103 ans, du CH de Saint-Gazmire et native de Saint-Marc-des-Carrières. Je souhaite à tous ces centenaires encore quelques belles années. Merci. Oui, point 6, c'est l'adoption du règlement pour modifier, ça concerne seulement les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Les pénalités sont fixées à combien? Premier avis, 200. C'était 250, je pense, qu'il avait fixé au début, puis c'était monté à 500. Il avait fait une erreur. Le tableau ne fitait pas avec le règlement. Fait que ça, c'est rendu maintenant à 500? Oui. OK. Les points 6, G, H et I, c'est tout l'adoption de règlement pour être conforme, pour être en concordance avec le règlement 390 de la MRC. C'est quoi le règlement 390 de la MRC? Ça touche quoi exactement? Bonne question. Vous l'avez adopté, vous tous, ce soir? Ouais, y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Nous, dans le fond, on adopte notre règlement qui va concorder avec le règlement du schéma d'aménagement 390. Donc, ça doit être le règlement 390 qui est de la MRC, qui est le schéma d'aménagement. Mais je peux vérifier. OK. Ensuite, juste pour avoir bien compris, le point 6J, l'utilisation du fonds de 7138, parce qu'après, vous dites pour couvrir la dépense.
Si j'avais bien compris, c'était pour répartir entre les différents employés. Ça, c'est une assurance que les employés avaient. Ont payé. Puis il y a eu une réclamation, puis il a rendu à 7 000 quelques. La gang a décidé de ne plus payer de fonds. Ils ont laissé le fonds là. Okay. Mais là, on a décidé, nous autres, puis avec l'accord avec les employés, dérembourser chacun au prorata des questions. Oui, mais pourquoi vous dites pour couvrir la dépense? C'est une répartition? C'est une question comptable. C'est le terme. Pour balancer, oui. Parce que, étant donné que l'argent est sorti des comptes de la ville, oui, mais que ce montant-là était comme affecté, oui, pour être capable de. De le répartir entre les dans le fond, là, si je peux dire comme ça, ben ça prend une résolution. Fait que comme les comptables sont venus faire les intérimaires au mois de novembre, okay, ben ils ont constaté que il fallait comme faut que ça se tienne là, pour que OK, tout mais c'est vraiment une répartition qu'il y a. Oui, la répartition, elle était faite au couvrir la dépense, c'est la dépense de répartition, c'est ça? Bon, c'est bon. C'est l'effet comptable. OK. Exact. OK. La dernière question touche le point 6T. Quand vous parlez du secteur Saint-Alban, est-ce que c'est les fameux terrains là, en montant sur le coteau? Est-ce que pour c'est l'eau? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est parce que c'est nous autres, on dessert, c'est les sources, oui, qui sont à Saint-Gilbert, mais on dessert plusieurs de chalets Saint-Alban. De Saint-Alban. C'est pour ça qu'ils embarquent dans les dépenses aussi. Là, OK. Parce que ça va être assez dispendieux. C'est ça. La ligne d'eau qui descend de Saint-Gilbert, qui passe par Saint-Alban pour oui, s'en venir à Saint-Alban. Oui, qui s'en vient sur le coteau, mettons. OK. Bon, bien, merci, c'est tout. Pas loin de chez vous. Ça dépend, c'est où chez nous? Je vais chez nous, là. Ah, non, mais des fois. Votre terre, là, qui, vous avez une terre collée, là. Que... L'ancienne terre aviateur? Oui. Bien, une terre, non, du coup, jusqu'à le plan d'eau, là. Chez nous, mon père. Parce que la tour devait être sur le terrain de la municipalité, mais c'était pas la même entrée. Puis chez vous, ça tombait à Saint-Alban, puis nous autres, c'est à Saint-Marc. Ah, OK. C'est des terres que votre père avait, là. C'est François Gilles, le master. OK. Bon, bien, merci beaucoup. Joyeuse fête. Vous, pareillement. Merci. Monsieur Ouellet. Je voulais déposer une offre d'achat. Micro. J'aimerais déposer une offre d'achat, oui, sur les terrains du troisième rang. Oui, oui. Les terrains qu'on avait... À côté de chez vous, là, où est-ce qu'il y avait supposé d'avoir... La sortie du parc. Oui, 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 c'est ça. Fait que je déposerais l'offre d'achat. Bien, si on la dépose, on le passe-tu à soir? On va accepter le dépôt. Hein? Parce qu'il faut... Dans le document que monsieur dépose... On le regardera plus tard, hein? Bon, je ne pense pas d'avoir un résultat ce soir. Non, c'est juste qu'ils sont respectés à la procédure normale. Okay. Non, c'est correct. On va le prendre, puis de toute façon, on va le regarder, puis on va voir. Le conseil va étudier, puis on vous donnera des nouvelles. Merci. Est-ce que ça concerne, dans le fond, quand vous avez fait avec... Oui, l'échange, c'est l'échange qui a tombé agricole, puis comme pour M. Ouellet, je pense que agricole, il pourrait faire des serres dessus, c'est agricole. Il y a un domaine qui est commercial, mais qui est agricole. Fait que c'est un monsieur qui pourrait prendre les terrains qui... Mais c'est suite à ça. Oui, c'est ça. Il est rendu agricole, puis comment qu'on voudra le changer, il est... Non, c'est... Vous avez une bonne intention? Oui, on avait déposé en juillet 2014. Quand ils ont fait dézoner? Ils ont fait retirer la zone agricole? Non, c'était avant. Avant ça qu'ils ont demandé. Avant ça. Ça avait été signé par qui? Comment? Bien, la ville avait signé. Non? C'est vous qui aviez déposé ça? OK. Bien, on va le regarder, M. Ouellet, puis avoir une réponse. C'est le conseil décidera. C'est si le. On va regarder là pendant des jours. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant, madame? Ben, je vous remercie. Oui. Puis, on se réunit le 17 pour le budget en passant. Oui. Le 16 décembre à 19h30, hein, c'est ça? 19h30 pour le budget 2020. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Oui. Ah oui, excusez.